Écoutez, on ne savait pas que Cannes cachait une aussi belle Jeanne d'Arc, vous voyez, donc on a été très heureux de pouvoir respecter la tradition et venir rendre hommage à Jeanne d'Arc, alors que nous avions cette invitation du groupe, du parti politique Europe des Nations et des Libertés à Nice, où nous allons d'ailleurs tous nous rendre pour assister à nos travaux. Très clairement, aujourd'hui, il y a une montée en puissance dans toute l'Europe d'une révolte des peuples contre les politiques menées par l'Union européenne, les politiques économiques, les politiques migratoires, et cette Europe carcérale, cette Europe des conflits, qui n'avance plus que par le chantage, que par la menace. Et nous posons la première pierre, en quelque sorte, d'une Europe des nations, une Europe qui respecte la souveraineté des nations, qui respecte la souveraineté des peuples. J'ai même pas pu embrasser les maires. Ça va, ça va. Je suis désolée de le dire, hein, quand on voit Nice, incontestablement, Nice subit une pression migratoire très importante et Nice a en partie changé de visage dans les 10 dernières années. Donc c'est le cas à Nice, c'est le cas dans beaucoup d'autres villes de France, c'est le cas dans beaucoup d'autres villes d'Europe. Et ce qui est intéressant cet après-midi, c'est que vous allez voir des représentants de différents peuples européens qui vont venir vous expliquer qu'en réalité, les difficultés que nous vivons, ils les vivent aussi et que l'Union européenne a une part essentielle de responsabilité. C'est une... Marine, un petit signe, un petit signe. Coucou. Coucou à nous ici. Voilà. Merci.